Peggy 18. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenu. Heureux coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà, maintenant c'est fini la chasse. Je vais essayer tout simplement de reprendre un petit peu l'émission. Donc on a déjà un petit peu plus de choses sur nous qui vont être vraiment utiles. C'est quoi cette fameuse maison? Je pourrais récupérer un quad à l'intérieur à votre avis ou pas? Je pense que non, mais qui tente à rien à rien. Il y a quelques coffres ici. Ah, c'est vraiment bien entouré. Hein. Alors, dans ce coffre-là, on aura quoi? Déjà, si j'arrive à l'ouvrir. Un casque, des munitions de pistolet, un peu d'argent. Là, on aura quoi? Pareil. Fer à souder. Non, mais des trucs, des fois, tu te poses la question, qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce qu'ils nous ont mis, en fait? Fer à souder, ça. Bon, là, il n'y a pas de quad, hein. Allez, je poursuis. Ici, je pense pas que tu peux descendre, sinon je vais me péter la gueule. Allez, on y va. On a eu de la chance. Bon. La mission, elle est où en fait? Lui, me sert à quoi le rhinocéros? Attends, juste un truc pour voir. Rhinocéros, tu sers à quoi toi? Bah malheureusement, il sert à rien. Du moins pour l'instant. Ok. La mission principale, où est-ce que tu es toi? Est-ce que je peux faire un déplacement rapide comme ça? On va pas s'embêter. Voilà. Donc, je dois suivre cette route-là. On est presque arrivé. Mais j'étais traumatisé pour trouver certains animaux. Hein. Surtout le dernier, quoi. Oh non, ne me dis pas qu'il y a un requin là-bas. On s'est jamais vécu, hein. On est presque arrivé. Ah, voilà un nouveau village. Vite pour qu'on puisse tous les brûler. Et les cendres acidifient l'eau du lac. Tu viens pour consoler les familles? C'est dingue. Tu vois, j'ai jamais vu une chose pareille. Et moi, j'ai jamais vu quelqu'un balader les cendres de sa mère. Tu crois que... l'enterrement de mon père ressemblait à ça? J'étais trop jeune. Mais je sais que sa mort a brisé le sentier d'or. Tout serait différent si... s'il était mort au combat. Mais c'est pas le cas. On l'a assassiné. Assassiné? Mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce que je sais, c'est qu'il a été tué dans sa maison, à l'est de Banapur. Elle existe toujours. Peut-être que tu devrais aller là-bas pour en savoir plus. Mais fais attention. La zone est dirigée par Nour maintenant. Je dois y aller. C'est bizarre ça, la grand-mère elle avait pas sa vodka aujourd'hui. Elle l'avait toujours, mais là elle l'a pas. Ok, ça y est, le sac est plein. Non mais je vais devenir fou. Ça y est, c'est plein à craquer. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire les amis? On va essayer de se prendre un petit bateau, non? Tout dépend c'est où en fait, hein, que je dois me rendre. Par contre, ne me dis pas que je dois me rendre tout au bout de la carte. Attendez, hein. Alors, l'objectif en question... Où est-ce que je dois aller, moi? C'est quoi, ça? Ouais, c'est peut-être pas là. Juste par curiosité, mais attends, je suis choqué, là. C'est où? Va retrouver les missions par les par où tu dois passer. Pour moi, franchement, c'est pas vraiment à côté. Hein. Là, ils veulent m'envoyer où, en fait? On va faire un déplacement rapide, non? Juste un instant. J'espère juste qu'ils vont pas m'envoyer en haut. Non, c'est pas là. Bon, là, y a rien, en fait. C'est le brouillard. Là, c'est pareil, y a rien. Là, y a rien non plus. Non, c'est pas vrai. Bon, on verra ça un peu après, je pense. À moins que c'est juste à côté... Ah, faut vraiment zoomer quoi sur le truc.
Là, il n'y a pas. Là, il y a un truc à ramasser. Non, je pense pas que c'est ça. Ça, c'est un avant-poste. Le H, c'est quoi ça? Tu sais quoi? On va pas s'embêter. Un petit déplacement rapide s'impose. Parce que c'est pas forcément facile de savoir qu'est-ce que tu dois faire. Mission principale, secondaire, etc. Tout est un petit peu mélangé. Où c'est marqué tout simplement tout petit. Et du coup, t'as pas le temps de bien voir les choses. Bon, on va vendre des trucs. Ça, je veux le vendre. Une ampoule, non mais t'es sérieux. Le casque, il coûte très cher quand même. Hein. Donc, il n'y a que les animaux que je vais conserver pour l'instant. Parce que c'est ça le plus important. Bon, les petits singes, j'en aurais pas besoin de 9. On va en mettre 5, même 6. Alors là, pareil pour ça. On va en mettre 5. Voilà, comme ça, j'aurai un petit peu tout ce qu'il faut. Voilà, les munitions, on est ravitaillé. Ne me dis pas qu'il y a un combat là qui a déjà commencé. Ouvrir. Je pouvais dormir, mais on va rester comme ça. Donc, le petit H, le petit S, le petit Y. Je vois que c'est le petit H qui arrête pas de clignoter depuis tout à l'heure. Ah, tu vois, c'est juste là en fait. Oh, pas mal, on a un tout petit hélicoptère. On s'est déjà vu? Bah ouais! Je suis la cavalerie, mec! Moi, je voulais débarquer ici en faisant mon Clint Eastwood! Ah, je suis Urk! On m'a parlé de toi, mec! Tu butes tout le monde, on t'appelle le vénère, ouais! Alors, je suis là parce que toi et moi, ensemble, on va mettre une putain de branlée au Sentier d'Or! En plein dans sa gueule! Espèce d'abruti, c'est nous, le Sentier d'Or! Hey, moi, pas entraver ce que tu racontes, parce que moi, pas parler ta langue! Je crois que ce que tu voulais dire, c'est que c'est l'armée royale qui va se prendre une branlée. Nous, c'est le Sentier d'Or. Non, tu déconnes. Ces types me regardaient tous d'un sale œil dès que je bavais sur le Sentier d'Or, bah du coup, je comprends mieux. Ok. Eh ben plombé. Cavalerie préventive. Et ouais, t'as besoin d'aide, t'appelles, on fonce et on t'aide. Waouh, le... Ah merde. Sentier d'Or. Ceux du Sentier d'Or, c'est ça. Toi et moi, mec, on est des vrais, des durs, des tatoués, on vient rêve, allez, check, mon gars! Boum! Dis donc, j'ai la frite, mais toi, t'as pas la patate. C'est pas grave, t'as peut-être un peu pris ton temps, mais bon, t'es là, et ça, tu vois, je respecte. Tu me promets qu'on se verra bientôt? Ok! Vive le Sentier d'Or, mon pote! Wouh! Ok, bon. C'est pas vrai. C'est pas vrai, le mec. Ok, on peut demander des renforts. Donc, des jetons de mercenaires. Ok, pas de problème. On va enfin récupérer un petit joujou qui va vous faire plaisir. Vous allez me dire comment ça. Ah, ça sera beaucoup plus facile maintenant. Par exemple, pour faire la chasse, y a rien de mieux, quoi. Bon, par contre, si j'arrive... Ah, je peux tirer en plus. Ah ouais, mais pas comme ça. Je peux tirer comment? Ah, je peux que tirer comme ça. Ok, bon, bah, on va chasser en l'air. Je fais juste un petit tour, rapidement. Ça me permettra d'observer un petit peu plus. Je suis sur quel territoire, là? Attends, tu sais quoi? Vu que je suis à côté, je veux pas faire le con. Je vais essayer de capturer la fameuse tour qui est là. Je vais m'avancer comme ça, je pense. Un petit repère. Ouais, ça va devenir important, on va dire, de pouvoir capturer cette zone. Attends, ouais, pourquoi pas. Elle est juste là, la tour. Franchement, on va pas faire le con, hein. Vu qu'on a un petit hélicoptère, mieux vaut en profiter. Je pense que comme ça, on va élargir un petit peu plus notre territoire. Et mieux le voir après. Bon, ça m'étonnerait que j'arrive à me poser tout en haut, mais... qui tente à rien à rien. Est-ce que je peux le faire? Attends, juste pour rigoler un peu. Il est où le mec? Il me tire d'où? Ah, il me tire de là.
Attention. Je vais descendre. J'espère juste qu'ils vont pas me l'abîmer. Ça commence bien. Donc je le repère, hein. Je l'ai planqué là. D'accord. Comme ça on va pas faire le con. Lui je vais le tuer. Oh là là, ils sont super énervés ici, hein. Je l'ai tué ? Ouais, je l'ai tué. Nickel. L'autre, il est juste en bas. Attention. Faut que je le chasse bien. Plutôt, faut que je le vise bien. Non, mais c'est pas vrai. Je vise tellement mal. Voilà. Là, je prends un petit peu plus de soin. Encore, body. Il m'en reste un seul. Donc, heureusement qu'il a pas de grenade, celui-là. Eh, le fou furieux, là, de la gâchette. Tu vas te calmer un peu ? Non, la Kalachnikov, elle est bien sympa, mais je préfère encore mon arc. Mon arc, s'il te plaît. Ah, c'est bon. Ah, encore, c'est encore mieux, c'est ce que je voulais. Bon, on va essayer de vite neutraliser cette tour. Tu peux passer comment à l'intérieur? Tu peux pas? Ok. Oh, des malins, en fait. Eh, c'est vraiment des petits, petits malins, hein. Attends, allez, tu te fous de moi ou quoi? Je suis obligé de passer par où là? Oh non, ils sont encore là les autres. Pour l'instant, ils m'ont pas détecté. Heureusement que je tire pas avec des coups de feu, hein. Que j'utilise pas, on va dire, mes armes. Par où on peut passer, les amis, à votre avis? Non mais tu te fous de moi ou quoi? Regardez. Donc j'avais raison de passer bien par là. Attends. Ah, y'a un truc à... Attends. Je dois passer quelque part là. C'est pas vrai, si je peux pas prendre la tour. Ah oui. Merci, je préfère. Ah, je me suis inquiété, je me suis dit mais attends, c'est pas possible. Comment tu fais pour passer de l'autre côté? Bon, je suis sûr qu'il faudra que j'explose la bonbonne d'oxygène. Oh oh, ça va chauffer, attention. Là il y a un mec à l'extérieur. Pour l'instant il m'a pas vu. Ça y est, il a été tué. On a mis de la flèche. Ok, j'ai repéré l'endroit par lequel on peut passer. Eh mais vous avez, les tours elles sont de plus en plus tordues. Certaines. Oui, oui, grave infraction pour qui se ronde là-bas. Oh, ils sont partout les mecs. Ok. Je suis bien. Eh, mais ça me donne le vertige ces tours, sincèrement. Je commence à avoir limite des pas des tremblements, mais ça rigole pas. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, la connerie. Tu passes comment toi là-bas? Ils sont quand même sympas, mais... Sauter, moi, j'ai pas envie, hein. Ah, j'allais mourir encore. Je déteste ces endroits. Tu te fous de moi? Je monte comment, moi, sur cette tour? Ok, pardon les cartons. Ils les ont bien mis quand même à leur carton. Ah, heureusement que j'avais vu ça. Dis-moi que je suis juste à côté du poste radio, j'en peux plus de monter. Ça donne le vertige leur connerie. Et encore c'est... Eh, on a pas encore fini, hein. C'est pas vrai. Ta tour, tu l'as cachée où? Oh, je vais craquer. Je vais craquer, il en mis où? Il y a aucune autre issue là? Ah si là. Oh là là. Eh hey, mais... Hey, ils sont vraiment pas embêtés cette fois-ci. Ils nous ont fait vraiment transpirer, hein. En tout cas, moi, ils m'ont fait transpirer. Voilà. On va enfin avoir cette fameuse tour sous notre contrôle.
Alors, qu'est-ce qu'on a débloqué? Ok, encore une prise d'otage à libérer. Plus tard. Des grottes. Eh ben... Il y en a de l'activité, j'ai l'impression. On repère des tigres. Ah, tu vois, les tigres sont là. On a une nouvelle arme en plus. Là, je vais rapidement ramasser ça. Bon, mon truc, là, il est où? Je pense que c'est par là que je vais descendre. Avec la tyrolienne. Et on reprend l'hélicoptère. J'espère qu'il a pas disparu. Ah, tu vois, ça. Ce qui est bien, c'est que les objets que tu laisses, ils restent pour l'instant. On va reprendre mon petit joujou. Encore une tour, mon frère. Toi aussi, tu as hâte de faire taire ta gamine. Bah, bien évidemment. Alors, la prochaine tour que je vais essayer de prendre, ça va être... Désolé de vous faire un tout petit détour, mais... Comme ça, on aura... Plus ce brouillard là tout pourri là qui nous gêne. Vous voyez les animaux? Je commence à mieux les voir. Ah, c'est ça les loups qu'il me fallait, tu vois. D'accord. Pourquoi j'ai encore un brouillard ici? Attendez, je vais reculer un peu. Il y a une tour quelque part que j'ai pas neutralisée, c'est celle-là. C'est celle-là ou pas? Je suis où moi exactement? Ouais, je crois que c'est que celle-là. Ou celle-là aussi. Ouais, tiens, c'est quoi? Je vais aller direct dessus. Elle est où? Ah, par contre, celle-là, elle est super loin comme tour. Ah ouais, on va bien s'amuser, hein. Maman, on sera débarrassé après. Je pense que ça va être beaucoup plus cool. On obtiendra beaucoup plus de choses intéressantes après, je pense. Ah, tu peux avoir une conduite automatique. C'est pas mal ça. Ah, je l'ai repéré la tour. Oh, le body tire pas comme ça non plus. J'ai un peu plus de munitions qu'avant. La tour elle est quand même loin, je trouve. Il y en a une autre ici, un peu plus près, non? Ça, c'est pas une tour ça. Ça, c'est une tour radio qu'on a déjà. Je suis pas certain qu'on a déjà capturé cette tour. Elle a abandonné, j'ai l'impression. Ah, franchement, moi je préfère survoler la carte. Hein. Ça nous fait perdre moins de temps. Et du coup, on sera beaucoup mieux là. Ah, il y a des Bouddhas là-bas, à ce que je vois. Donc, à mon avis, il y aura des temples secrets. Et si t'as un poste. D'accord. Je pourrais neutraliser un peu plus tard. Oh, je vous dis pas qu'est-ce qu'il faut pas faire. Hein. Alors, qu'est-ce que... Oh lolo, c'est quoi ça? Je commence à avoir le vertige, attention. J'espère juste ne pas me cracher parce que j'ai l'impression qu'on va monter très très haut en altitude là. Et que le petit hélicoptère, il tient pas vraiment. Ok, on va se rendre là-bas. Pourquoi il a disparu là? Là qu'il y a du champ de vision. Eh mais ils l'ont bien mis haut celle-là. Hein. C'est quoi ça? C'est pas vrai, je vais me cracher. Ah, peut-être que je suis trop haut en altitude. Ah, c'était ça en fait. Oh, ça va finalement. On va le stationner plutôt là. Je vais aller doucement le poser. Sans non plus l'abîmer parce que j'en aurais besoin pour repartir. Ah, si je pouvais avoir ça pour faire tous les tours, ça va plus vite. Hein. Je vais essayer de viser, on va voir si ça change. Ah, c'est encore mieux. Le mec, il est où? Il a repéré son copain. Dans les fesses. On a récupéré quelques trucs.
Putain, c'est pas vrai. Encore des bestioles, mais je vais devenir fou. Serpent, j'en ai pas le besoin pour l'instant. Il m'a traumatisé. Bon, tu sais quoi, moi, je me sauve d'ici. Hein. Ça devient chaud, en fait. Hein. Par moment, je suis pas rassuré. C'est quoi, je vais le tuer quand même. Comme ça, peut-être que je pourrais faire quelque chose avec. Non, par contre, ça, tu vois, tu peux rien faire. Ok, d'accord. C'est juste une bestiole qui sert à rien. Je passe par où, ici? Tu peux passer par où là? L'intérieur, ouais, c'est juste là. Bien évidemment que t'as déloupé. On va grimper. Là, je pense que le mieux, c'est tout simplement de pas me faire avoir. Je vois qu'il y a des gardes à mon avis qui doivent arriver. Mais le petit hélicoptère, moi franchement, je suis assez fan, hein. Regardez comment on a gagné un temps fou en fait. Ah, le carton il me gêne. Ah, c'est pas vrai. On va encore grimper. Ouais, c'est ça, ouais, pour notre sécurité, ouais. Des escrocs, ouais. Encore un petit peu, on n'est pas trop trop loin. J'ai l'impression qu'on a atteint enfin le sommet. C'est quoi ça? Oh, il y a de l'argent là. Ah merde, j'avais oublié qu'il pouvait y avoir des gardes là-haut, tu vois. Il n'y en a pas un deuxième quelque part qui doit se cacher? Non, ça va. Coup de chance pour moi. Allez, on neutralise la tour. Clocher libéré. Alors, qu'est-ce qui se cache maintenant? Là, on a quoi? Le centre auto. Je savais même pas qu'il y avait des trucs comme ça. Ok. Lieu découvert. Ah, la maison de famille. C'est peut-être là qu'on doit y aller. Nouveau pistolet. On a un nouveau même sniper, tu vois. Je pense que je vais le garder. Pour chasser, ça va être vraiment plus cool. Il n'y a pas d'autres munitions quelque part qui doivent traîner. Non, négatif. Alors là, mon truc, il est où? Je suis arrivé par où, moi? Parce que tu perds rapidement la tête. Ouais, je suis arrivé par là-bas. Et Jay, on peut atteindre plus de gens. Prends encore d'autres tours. Et le Kirat pourra vraiment te remercier. Ne t'inquiète pas. C'est prévu. Par contre, j'ai plus mon arc. Comme un con, j'ai changé ça contre mon arc. Ah, c'est pas vrai. Bon, c'est pas trop grave. Juste déçu, quoi. J'ai laissé tomber mon arc. Attends, je vais essayer de le reprendre. Je pense pas que j'y arriverai, mais... Je suis pas certain, hein, de réussir, mais... On va tout simplement essayer de se positionner là. Ah, tu vois, tu peux pas... C'est des malins, en fait, ils l'ont fait exprès. Hein. Bah, de toute façon, ils ont raison aussi, d'un côté. Hein, parce qu'il y a pas mal de petits tricheurs qui feraient ça. On a débloqué cette zone. Donc, il y a quelque chose que je maîtrise pas, c'est ici. D'accord. Tu vois. Il y a un objectif qui clignote. On a un temple, on a quoi? Bon, on va encore prendre une autre tour. Il y a même des trucs S. Ça, je sais pas, c'est quoi, ça? Tu vois, il y a des nouveaux trucs qui apparaissent à chaque fois. Bon, on descend un peu en altitude. J'espère juste qu'il y aura assez de carburant pour pouvoir m'emmener à destination. Vous voyez, je suis un petit peu déçu, c'est que j'ai pris le sniper et je me suis pas rendu compte que... J'avais pas forcément mon arc en fait, à la place. Bon, l'arc c'est le meilleur truc, hein, ça abîme pas les peaux, etc. quoi. Donc, nous, c'est où qu'on doit se rendre maintenant? Ah ouais, c'est super loin. Bon, moi ça nous permet de voyager un petit peu quoi.
Moi je fais la dernière tour, vous inquiétez pas. Elle est super loin celle-là, j'ai l'impression. En même temps, ah voilà, pourquoi j'avançais pas. Ça fait quand même bizarre hein, de pouvoir parcourir autant de kilomètres en fait. Hein. À mon avis, ça va être vraiment chiant. Mais bon, ce sera pour la bonne cause qu'on est en train de faire. Mais après, parcourir autant de distance, ça va pas rigoler. Vous voyez bien, tout le relief qu'il y a, ça va être une tuerie. Hein. On va bien s'amuser, je vous le dis. Hein. Donc, par la route, vas-y tout seul. Hein. Ah, encore un autre petit avion. Ça fait plaisir. On va découvrir un petit aéroport. Là, il y a une zone, je sais pas c'est quoi ça, les zones comme ça qui brûlent. Du moins pour l'instant. On va descendre rapidement. Elle est bien perchée cette tour quand même aussi. Hein. Voilà, par contre, je pense qu'on va se faire détecter comme des enfants. J'ai plus l'arc. On va se poser un petit peu à l'écart de tout ça. Allez, sors body de là. Et sors de là. Et voilà. Les ennuis vont commencer, je vous le dis. Ils sont où? Pourquoi il gueule comme ça, lui? Qu'est-ce qui arrive à lui? C'est bizarre qu'il n'y a personne. C'est vraiment bizarre pour l'instant. Bon, moi, je profite, hein, personnellement. À mon avis, je me suis aventuré, je sais pas où encore. Vous voyez, les tours se ressemblent pas. Hein. Là, j'étais passé par là. Je passe par où, là, maintenant? Eh là, franchement, je commence à péter un plomb avec leur tour là, gigantesque là. Oh, j'ai visé totalement à côté. Il va me tirer dessus. Tiens, toi, je t'ai fait exploser carrément. Ça va, le sniper, c'est pas. Ah, je peux même chasser. Ouais, mais là, je vais abîmer la peau. Tu vois, là, tu vois, tu peux chasser beaucoup plus facilement. Mais tu abîmes les peaux. Donc je pense... Oh putain, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, je m'attendais tout à sauf ça. Hein, franchement, je m'attendais à tout, mais vraiment sauf ça. Hein. Coup de chance pour moi, c'est qu'ils viennent pas dans la tour. Regarde comment ils cavalent. Voilà, tu as été neutralisé. Mais comment il gueule dans ce jeu-là? Est-ce que je peux faire exploser la voiture? Non, de toute façon, c'est des mercenaires, c'est avec moi. Ah, il est là, lui. Ok, donc nous, on va passer plutôt par là. Ouais, mes fesses, ouais. Parce qu'ils vont me tirer dessus dans pas longtemps, je vais souffrir. Ils sont où, hein? Non, ça, ils sont avec moi, eux. Qui me tire dessus là? Sniper, c'est assez encombrant, je trouve. Attends, je peux passer par là. Carrément, les mecs ils s'acharnent. Grenade! Bon, j'ai repéré par où on passe. Par là. Tu passes par là. Eh, ça va, mon dingue, ces tours. Là, tu repasses par là. Tu sautes. Maintenant, ici, on va passer par là. Encore un petit effort, Body. T'es presque arrivé peut-être à la tour. C'est pas encore gagné, mais tu progresses plutôt bien. Aïe, 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 aïe. Là, on va passer par là.
Ouais, grave conséquence. J'espère juste qu'il n'y a pas un mec qui m'attend un peu plus haut. Ah ça va, on est déjà arrivé. Ouais, ça va être rapide alors finalement. Nickel. On a libéré 5 tours sur 17. Il y en a pas mal quand même des tours. Hein. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a une ferme. Ah carrément, il lui a craché dessus. Drôle de comportement. Ah ok, mais dis-moi pas qu'il y a des tigres partout là. Voilà, là j'ai repéré qu'il y avait quelque chose qui m'intéressait. Non, négatif. Bon, moi je suis tout simplement stationné vers le bas ici. Allez hop, petit hélicoptère à proximité. Et voilà. Alors franchement, on progresse plutôt bien, non? Nouvelle compétence. J'en ai 3. Qu'est-ce qu'on pourra mettre maintenant? Bon, on va mettre quoi? Les seringues. Comme ça on aura plus de barres. La barre de santé incomplète se régénère bien plus vite. Voilà. Je préfère privilégier la santé, moi, personnellement. Elle est appliquée. J'adore ce genre de truc. Bon, maintenant, la carte. Rapidement, comme ça, on pourra voir ce qui nous attend après pour les prochains trucs. Rouge, c'est quand même hostile, hein, ça veut dire. Hein. Il y a beaucoup de choses, en fait, hein, qui vont être assez tragiques. Là, il y a quelque chose qui m'embête. J'aimerais bien voir ce qu'il y a ici, mais c'est bloqué pour l'instant. Peut-être qu'on n'a pas capturé un poste ou je sais pas encore qu'est-ce qu'il y a à explorer. En tout cas, les animaux, ils apparaissent plus tant que ça, j'ai l'impression. Ah si, faut zoomer vraiment quoi. Ça c'est quoi ça? Oh là là, ils ont pas rigolé. Hein. On aura des tigres, on aura la totale. Hein. Enfin si, c'est les mêmes tigres ici? Ouais, c'est les mêmes. Ah bah tu vois, les loups, ils me servent à quoi en fait? Rapidement, je vais voir. Les loups, ils me servent à quelque chose. Attends, les loups. Je les ai vus quelque part. Bah justement, non. Ah si, c'est là. Ça va me servir tout simplement pour obtenir des seringues supplémentaires. Ok, donc on sait où les loups se trouvent. Maintenant, les cochons. Je les ai pas encore vus, moi, les cochons. Oh là là, l'ours, vas-y tout seul. Hein. Cochon. Ce qui est bien, par contre, c'est qu'ils les ont mis un petit peu partout. Donc tu peux retomber dessus. C'est ça qui est bien, t'es pas obligé de retraverser toute la carte pour pouvoir tout simplement obtenir les trucs. Ok, bah ça va en fait, finalement. La chasse va devenir plus intéressante. Qu'est-ce que vous en dites? Ah, le voilà le cochon. Les voilà les cochons, mais on est hyper loin du cochon. Hein. Vous avez vu? On est super loin. Parce que le cochon, ça va me servir juste à faire quoi? À faire ça. Le sac de butin. C'est ça pour moi le plus important pour l'instant. Ok, donc je vous retrouve pour la suite. À tout à l'heure. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a fait plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Merci pour votre fidélité. Et pour les simples visiteurs qui ont découvert ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner si bien sûr vous le souhaitez. Ça vous permettra d'avoir pas mal de vidéos qui vont arriver très prochainement sur pas mal de jeux différents. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et j'ai créé aussi un site internet. Ça vous permettra de tout simplement trouver pas mal de choses très intéressantes dessus. Tous les liens sont dans la description, et si vous cherchez aussi des bons plans, c'est également dans la description. A bientôt les amis, prenez soin de vous, et à très bientôt.